Un tour en santé. Tous les 30 avril est célébrée la journée mondiale de sensibilisation à l'autisme, une journée consacrée à promouvoir l'importance de la prise en charge des enfants susceptibles de développer un trouble mental. Cette année, l'école primaire, le Petit Baobab d'André Château, a saisi l'occasion de cette journée afin de mettre en évidence la nécessité d'améliorer la vie des enfants, des adultes autistes. Enis Bogou. La journée mondiale de l'autisme est la journée d'action internationale de l'UNICEF organisée pour les enfants et par les enfants. Le 3 avril, dans le monde entier, les enfants se mobilisent pour un monde plus égalitaire et plus inclusif. L'école maternelle et primaire catholique, le Petit Baobab d'André Château, a décidé de marquer le coup. Oui, cet atelier a été organisé avant tout pour faire connaître à la population l'importance d'une école inclusive en Côte d'Ivoire et aussi en même temps de donner notre modèle d'école inclusive. Et au niveau national, c'est effectivement important que chaque enfant puisse aller à l'école. Mais à notre niveau, on a fait quelque chose en plus, d'accepter, d'accueillir, d'encadrer ces enfants avec autisme. Dans notre école, on a un service d'accompagnement et de soutien. Dans cet service, on a des psychologues, et on fait des ateliers, on fait des accompagnements personnalisés pour ces enfants, afin qu'ils puissent être dans la société aussi des enfants comme les autres. Ça a été vraiment une grande joie pour moi de pouvoir participer à cet échange qui m'a permis aussi quand même aussi d'avoir une vue plus grande sur la question de l'autisme. Alors l'OMS a institué depuis plusieurs années la journée mondiale de sensibilisation à l'autisme et au niveau du ministère de la Santé, nous avons initié ce qu'on appelait le mois de sensibilisation à l'autisme dénommé Avril Bleu. Et donc c'est l'occasion durant tout ce mois de discuter avec toutes les parties prenantes sur la question de l'autisme, tant au niveau du ministère de la Santé et au niveau des autres ministères. La vision de l'école maternelle et primaire, le Petit Baobab d'André Château, a toujours séduit les parents d'élèves qui ne cessent de saluer sa politique qui colle avec le thème 2022 de la Journée mondiale de l'autisme, à savoir l'inclusion pour chaque enfant.